La flotte écarlate est partout en ce moment. Il se propage comme un virus. Je me demande si New Atlantis va me manquer quand on partira avec Tony. Non, je crois pas. Moi, jetez un œil à votre fichier. Quoi? Rien du tout. Vous êtes qui, au juste? Nous allons vous scanner lorsque vous entrerez en ville. Veuillez avancer. On a une bleusaille sur le pont. Ravi de voir que Constellation fait venir du sang neuf. J'étais dans la flotte écarlate. À mon époque, on aurait même dit vieille carcasse. J'ai laissé cette époque derrière moi.
J'avais déjà pris ma retraite bien avant de rejoindre Constellation. Je suis ravi que vous fassiez enfin connaissance. J'aurais donné cher pour voir les artefacts fusionner. Mais je suis tombé dans la spirale de l'Iris. Ah non, ça c'est moi qui l'ai inventé. L'Iris, c'est le surnom de la station. C'est comme un gros télescope. J'ai toujours préféré travailler seul, même avec des gens que j'apprécie. Mais là, c'est un effort collectif. Je ne connais pas de groupe plus à même de dévoiler ce mystère. Quant à l'Iris, la station, elle est équipée pour effectuer des analyses de l'espace lointain. Barrett et Sarah ont découvert les signes permettant de localiser nos artefacts après avoir mis la main sur le second. Mais les données remontent lentement de la mer de lumière. Sans astromoteur, les confins de l'espace sont à des années, voire des décennies. Peu importe la qualité du scan, il ne fait que capter la lumière et elle n'a qu'une seule vitesse. Au final, on n'observe pas une planète, on observe les radiations qu'elle émet. Et celles-ci mettent des années à nous arriver. Sans compter tous les corps célestes en chemin. Tout ça ne nous facilite pas la tâche. Je peux pas tout donner d'un coup. D'autres membres de Constellation y seront. Andrea et Matteo suivent tous les deux ces relevés. Matteo est sorti récemment. Mais Andrea, ça fait longtemps. J'aime pas jouer les vieillards inquiets. Mais je suis plutôt jeune et je suis inquiet. Une autre recrue de Constellation qui veut se faire un nom. Elle travaille en solo. Je la comprends. Alors j'essaie de veiller sur elle un peu plus que les autres. Oui, en effet. Ne vous inquiétez pas, Vladimir. Si elle est là-bas, on la trouvera. Elle devrait se trouver sur l'un des deux sites indiqués sur ta carte stellaire. Elle est assez grande pour s'en sortir, mais on peut tous avoir besoin d'aide à un moment. Quoi qu'il en soit, j'espère que la chance te sourira et que tu rapporteras d'autres artefacts à étudier. Bonne chasse. J'y vais quand ils ont besoin de moi. La solitude ne me dérange pas la plupart du temps. Et l'Iris est important. Mais je devrais passer plus souvent. On peut pas laisser Walter être le seul à tenir le bar, où tout le monde va s'habituer à ces cocktails de seconde zone. T'as déjà entendu parler de la déclaration du Centaure? Le traité qui déclarait le droit de chaque être humain à coloniser les étoiles? Elle avait été volée par un bleu de la flotte écarlate qui voulait être capitaine. Une vraie beauté, accrochée au-dessus de mon fauteuil comme si tous les systèmes occupés n'attendaient plus que moi. Des années plus tard, me voilà à la retraite. Quand notre chère Sarah Morgan fait irruption dans mon histoire. Des étoiles dans les yeux et la tête pleine d'infos que je pensais avoir tout fait pour enterrer. Évidemment, je me promenais pas avec la déclaration du Centaure dans les poches. Elle était dans mon vaisseau avec son nouveau capitaine dans la flotte que j'avais quittée. Pour la faire courte, Sarah et moi, on a restitué le traité à ses propriétaires légitimes. Et j'ai décidé de rester ici. Cette mission a bien besoin des leçons de sagesse d'un vieux pirate. Oui, normalement. J'ai déjà abusé trois fois de la générosité de Dame Fortune. C'est une longue histoire. Mais si jamais tu veux me rendre visite, j'ai une maison dans les étoiles. Je pensais que j'y verrais l'éclipse de ma vie. Ma constellation m'a emporté. T'y suis pas retourné depuis que je suis arrivé sur l'Iris. Si jamais t'y vas, oublie pas d'éteindre les lumières en partant. D'accord ?
L'Iris ne verra plus rien de nouveau pour le moment. Bonne chance à toi. C'est pour ça que j'ai raté ton comité d'accueil. J'étais en train d'étudier toutes les données fournies par l'Iris. Je dirais pas non à un coup de main. Ça accélérerait les choses. Des scans planétaires à jour nous aideraient à filtrer toutes ces données en amont. Et peut-être même à repérer des anomalies. Et puis, Constellation saura bien te glisser quelques crédits. Pour l'exploration des étoiles. Et tout ça. Quand t'es en orbite autour d'une planète, les scanners de ton vaisseau captent toutes sortes d'informations. Traces de vie, ressources, structures inattendues. Toutes ces données sont téléchargées. Et tu peux les transférer à ceux que ça intéresse. Et personne n'est plus intéressé que Constellation. Top là alors. L'espace t'attend. Va donc brûler de l'hélium. Super. Faisons affaire. On s'échangera des mots plus tard. Chauffer les moteurs. Vous êtes là pour bavarder ou vous avez besoin d'un truc? Thank you.
Vous avez l'air en forme. Ne bâclez pas les scans, il faudrait pas rater quoi que ce soit de précieux. Cette mine a l'air stable, mais au premier signe d'activité sismique, on met les voiles.
J'avais pas vu. Un verrou cédé aussi facilement depuis mon temps avec Vladimir Saul. On se voit plus tard. Ferait une excellente cachette. Ne faites pas un pas de plus. Identifiez-vous. Je vais bien. Il était pâteau et il faisait bien trop de bruit. Facile à gérer. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui êtes-vous ? Vous êtes de Constellation. Vladimir m'a dit que quelqu'un viendrait. Je suis heureuse qu'il vous soit rien arrivé, Andrea. Vladimir et moi étions inquiets. Vous êtes la nouvelle recrue, pas vrai? Est-ce qu'il vous envoie souvent vérifier que les autres membres vont bien? Je suppose, oui. Et pourtant, vous voilà, au lieu d'aller voir Barrett ou Noël. Nous perdons du temps. Nous devrions finir notre mission, on parlera après. Ça vaut toujours le coup de vérifier. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Vous avez quelque chose pour moi ? À plus. Regarde la mort dans les yeux. Regarde le combat. Approchez-vous. Une fois de plus, la victoire est à nous.
voudrais vous dire un truc quand vous aurez un moment. Ah, qu'y a-t-il ? Et quand vous m'avez dit que les artefacts vous donnaient l'impression que de l'énergie brute courait dans vos veines. Ça m'a fait réfléchir, alors je me suis plongée dans nos archives et j'ai épluché les vieilles entrées de journal de Constellation. Je comprenais pas très bien ce que vous aviez vécu, mais ça ne voulait pas dire qu'il en allait de même pour ma prédécesseur. Malheureusement, non. À part Barrett et vous, il n'y a aucune trace d'autres contacts directs avec les artefacts. Mais je dois admettre que je me suis un peu perdue dans mes pensées en pensant au bon vieux temps. Vraiment ? C'est surprenant. En lisant tous ces journaux, tous les bons souvenirs des moments passés avec Aja sont revenus en force. Aja Mamasa. Quand Constellation a été fondée, c'était la membre la plus jeune. Il lui a fallu que 15 ans pour en prendre la tête. Pardon, je suis tellement absorbée par mon rôle que j'oublie parfois que j'étais pas la première. Oui, absolument. C'est Aja qui m'a appris toutes les ficelles de Constellation et qui m'a prise sous son aile en tant que protégée. J'avoue tout, j'ai piqué certaines idées à mon ancienne boss. Quoi qu'il en soit, on a fait plusieurs découvertes ensemble, mais c'est ce voyage que je chéris plus que tout. On a recensé des phénomènes stellaires étranges, plusieurs planètes habitables et quelques formes de vie inconnues, mais rien qui ferait la une de SOTV. C'était ces moments de calme qui comptaient le plus pour moi. Rien de tel que regarder l'espace se dérouler sous nos yeux en écoutant les histoires d'Aja pour passer le temps. Cette espèce de cocon feutré, c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un. Oui, vous savez, seul dans l'espace interstellaire, avec rien que des années-lumière des ténèbres autour de vous. Certains trouvent le vide terrifiant. Je le trouve réconfortant. Il m'aide à tisser des liens avec mes coéquipiers. Je prends ça pour un compliment. Merci. Vous savez, parler d'Aja me rappelle à quel point le temps passé avec elle était précieux. Elle me manque beaucoup. Non, elle a pris sa retraite. Je crois qu'elle vit sur Porima 2. On pourrait lui rendre visite si jamais nos aventures nous emmènent là-bas un jour. Je ferai les présentations. Vous inquiétez pas, il n'y a aucune hostilité entre nous. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous retrouver entre deux vieilles copines avec des années de retard à rattraper. Je vous demande pas d'être la copie conforme d'Aja. Soyez vous-même. On partage clairement la même envie de découverte. C'est... Eh bien, c'est ça qui m'intrigue tout particulièrement chez vous. Je sais pas si je mérite ce genre de relation en ce moment. Si vous saviez tout ce que j'ai fait, et les choix que j'ai dû faire dans ma vie, vous penseriez pas la même chose. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Je dois y aller. Vous vous habituez bien à votre nouvelle vie, Andrea ? Notre collègue vous aide comme...
l'infirmière vous a dit que j'allais... Ah oui. Je suppose qu'il est temps. Les... Le contenu correspond à ce pourquoi nous étions d'accord. Oui, Vladimir et moi sommes d'accord sur ce qui doit être inclus. Quelque chose ne va pas, Andrea ? Eh bien, oui. Je suis surprise que vous l'ayez remarqué. Vous avez un don pour deviner l'humeur de ceux qui vous entourent. Une question d'habitude. Vous voulez en parler ? Je m'inquiète de ce que pensent les autres membres de Constellation à mon sujet. Peu importe la façon dont je me comporte, j'ai l'impression qu'ils me regardent avec dédain plutôt qu'avec sympathie. Entre nous, je pense que vous voyez le mal partout. Tous ceux à qui j'ai parlé n'ont que des bonnes choses à dire à votre sujet. Si c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce que je suis souvent exclue des activités et des réunions des autres membres ? Avoir un membre de la Maison Varun parmi nous est une nouveauté. Je pense qu'ils ont peur que vous soyez peu réceptive. Laissez-leur le temps, Andrea. Ils s'habitueront, je vous le promets. S'assurer de ne rien laisser traîner d'utile. Montre-moi ce que t'as dans le ventre.
prometteur. Je vous écoute. Si vous voulez me faire porter du matériel, n'hésitez pas. Au revoir. Ce sera un retour sur investissement plus qu'acceptable. Répondiez plus quand je vous appelais après avoir sorti l'artefact. Est-ce que la théorie et l'histoire de Barrett étaient vraies? L'artefact octroie une vision à la première personne qu'il touche? Le fait que ça soit arrivé à Barrett et à vous est déjà plus que tout ce que nous avions jusque-là. Je crois qu'il est important que nous discutions de ce que vous avez vu. Cet homme. Ce que j'ai fait. En effet, je suis contente que vous le voyez sous cet angle. Vous êtes pragmatique, une qualité que je ne retrouve chez aucun membre de Constellation. Puis-je vous demander votre passif ? Vraiment ? Moi aussi, j'ai fait beaucoup de choses par le passé. Souvent dangereuses. Nous semblons être des ajouts inhabituels pour Constellation. En attendant, j'aimerais que vous ne mentionniez pas à Vladimir les circonstances dans lesquelles vous m'avez trouvé. Ce n'est pas la première fois que des zélotes de Varun s'en prennent à moi. Si on découvre que ça s'est reproduit, eh bien, ça faisait un moment qu'on ne m'avait pas confié de mission en solo. Et je ne voudrais pas devoir attendre encore plus longtemps pour la prochaine. Vous comprenez ? Ça ne vous dit rien ? Étonnant. Peu de personnes n'ont jamais entendu parler d'eux. Ce sont des fanatiques qui ont pris les enseignements de la maison Varun et qui les ont dénaturés. Ils en ont fait une croyance qui affirme que la galaxie doit être nettoyée avant le retour du Grand Serpent. Donc, personnellement, je dirais que j'ai rendu service à la galaxie. Oui. Mais on dirait qu'ils n'ont toujours pas retenu la leçon. Après, c'est leur problème fondamental, n'est-ce pas ?
une incapacité totale à voir autre chose que la voie qu'ils ont décidé d'emprunter. Bouche cousue, ça veut dire qu'on a un accord ? Merci. C'est bon à savoir. Je vais finir ce que j'ai à faire ici et rentrer à New Atlantis au plus vite. Partez, ils nous attendent sûrement déjà. Ce genre de creuser au mauvais endroit et c'est des millions de crédits perdus. Ce combat.
Un cadavre. Ne présente rien dans l'autre monde. C'est la fin. Quoi? Vous le prenez pour un spatiard? C'est lui qui les a tous éliminés. Caporal Lezama, médecin des marines de l'UC. On vous croyait mort. Et voici le très estimé docteur Moussa, c'est ça? On s'est invité à sa fête. Les spatiards ont pris la vie de nos meilleurs soldats et scientifiques. Mais tout le monde ici est stable et s'en remettra, à condition qu'on arrive à repousser les spatiards de l'avant-poste. Mahoney est une machine.
Elle s'est écrasée sur ce rocher et ce... Mais de toute façon, que faites-vous ici? Docteur? Docteur? Oui. Pardon. Oui. De l'astrobiologie. Nous étudions les formes de vie dans les systèmes occupés. On tente de comprendre la faune et la flore et on recherche des applications pratiques. Médicales, industrielles, ou comprendre simplement comment la vie se propage. Comme le veut notre charte, on recherche des applications non militaires. Non, ils essaient de faire main basse sur tout le système, depuis des mois. On n'a pas de temps à perdre. Le lieutenant Torres, commandant de Liber Astra, est enfermé dans le complexe. J'ignore combien de temps il pourra protéger ses troupes. Aux dernières nouvelles, Torres était au troisième, près de mon bureau. Prenez cette clé et retrouvez Torres. Elle ouvre tout à l'exception des portes de sécurité. Retrouvez Torres avant que ses hommes ne périssent. Bonne chance. Étaient désespérés, alors on les a accueillis. Et on a réussi ensemble à tenir l'avant-poste. Pour savoir pourquoi le capitaine nous a aidés, il faudra le lui demander. Elle est vraiment unique.
vous dire, on sera encore coincés sans son aide. Autant emporter tout ce qu'on peut. Vous avez pas l'air d'un marine. Encore moins de Lys. Vous êtes qui ? Les explorateurs ? J'ignorais que vous saviez aussi vous battre. Capitaine Myong, marine de Lucé. Vétéran des guerres coloniales, le bouclier du col de Parduk, le meilleur marine de l'histoire. Et cette grande gueule, c'est le soldat Tsai. Si elle n'était pas si douée, je l'aurais assignée à la corvée de chiottes à vie. Vous avez sauvé des vies. Comme mes Marines. Nous avons plus en commun qu'avec les politiciens des Spaciards. J'ai un problème bien plus immédiat, capitaine. J'ai des troupes et des civils sur le terrain. Si on n'agit pas, les Spaciards pourraient les tuer. Je les laisserai pas. Quel chef vous seriez si vous le faisiez ? Mais nous avons besoin de tous les soldats formés pour fortifier et rétablir les défenses. D'après Mahoney, leur dernière transmission indiquait qu'ils n'étaient pas en bonne posture. Si vous pouviez conduire votre vaisseau au camp de recherche et éliminer les Spaciards. Allez-y vite. Ce sera votre dernière erreur. Je vois, cette planète rassemble tous les éléments pour accueillir la vie. Une victime de plus.
certaine qu'on peut réutiliser. C'est quelque chose. Ils étaient beaucoup trop nombreux. Vous nous avez sauvés. Remerciez Torres pour moi. Et vous aussi. C'est là que vous avez fait votre apparition. Torres a fait ça ? Il a tellement pas d'expérience. Mais d'accord. Mahoney nous a conseillé de nous terrer. Il y a une grotte pas loin, dans laquelle on va se cacher le temps que ça se calme. Rassurez-vous, je m'occupe de protéger les civils. Ce qu'indique le resto le plus proche. Allez, renvoyons cette conserve dans l'espace. Contente de vous voir. Salut. Ok. Je peux vous aider ?